grâce, la paix de Dieu et son amour capable de demeurer sur chacun de nous. Nous disons un grand merci à Dieu pour le privilège que l'Iba nous encore pour nous présenter sous chaise pour nous partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Mais avant toute bagaille, nous voulons dire, bon Dieu, un grand merci pour notre ami frère Muller Torchon qui est toujours là pour faire travail, bon Dieu. Nous disons, bon Dieu, merci pour lui, que bon Dieu est capable de bénir lui avec toute famille. Un grand merci aussi à notre frère ami Camoens de Rosier qui est toujours là à faire étude là. Si moi pas là, ou après lui là, nous avons l'autre serviteur qui a ajouté et il y a l'autre encore qui va continuer à ajouter. Donc l'église chrétienne haïtienne, nous sommes capables de dire nous ça, nous bénis. Nous disons bon Dieu merci parce que nous-mêmes, nous travaillons ensemble parce que nous connaissons notre travail pour un seul maître, le Seigneur. C'est lui-même qui va nous travailler pour nous faire, et nous gourmer pour nous faire travailler les gens que nous voulons. Chers frères et sœurs, nous connaissons avant tout bagaille. En nous implorer la présence du Seigneur parmi nous. Prions Dieu. Bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, notre juste juge, notre roi, tout Seigneur des Seigneurs, nous infiniment reconnaissons envers amour, envers bonté, envers miséricorde. Nous disons merci Seigneur pour le privilège qu'on a nous pour nous capables de présence, de partager ensemble ta parole. Bénis chaque monde qui est là, monde qui est dans Zoom. Seigneur, on va faire grâce. Que monde qui est dans tablette, quel que soit côté ou dans les réseaux sociaux, on va aider au Seigneur à comprendre la parole. Non seulement comprendre, pratiquer, lire. Seigneur, c'est nourriture nous. Personne accompagne nous pendant ce moment ça nous va passer ensemble. Que moment ça va un moment béni. Nous comptons sur vous, Seigneur. Nous comptons sur présence. Nous prions. Nous va continuer bénir serviteurs et servantes qui la captendent. Va accompagner au Seigneur. Va bénir abondamment. Que parole ça, Seigneur, pas rentrer dans nos oreilles et puis pour sortir l'autre. Mais parole ça va faire chemin dans la vie chacun de nous-mêmes. Merci pour serviteurs ça yo. Frère Camoens de Ozé, pasteur Jude et d'autres serviteurs capables de venir pour faire travail, à savoir frère Dieu grand va bénir en abondance. Nous comptons sur vous, Père. Nous prions nous pas bon, nous pas de mérite, mais nous prions au nom, par les mérites de ton fils Jésus, à qu'il seul soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. Nous disons Amen, pas vrai? Amen. Encore. Nous disons bienvenue dans le travail, mon Dieu. Donc, pas oublier, nous connaissons depuis moins là. Moi, j'ai une façon pas moins, moyen pas moins, que bon Dieu, bah, nous, on est bon Dieu, servir avec chaque monde, j'en livre, pas vrai. Donc, nous-mêmes, j'en nous fait récapitulation, nous faisons avec des petites questions et réponses. Bah, vrai, pour nous, qui ça, où songer, qui sortait prendre. On parle pendant que Frère Camoens, pasteur Jude, ainsi que moi-même, serviteur ou, et nous avons fait étude là. Donc, pas oublier, nous ne savons pas si nous songer dans quel chapitre et dans quel livre nous sommes. Qui est-ce qui est capable de faire songer dans quel chapitre et dans quel livre nous sommes? Ok, très bien. C'était Actes, chapitre 12. Très bien. Est-ce que vous êtes capable de faire songer dans quel verset? Pasteur Jude t'est arrivé dernièrement. Parce que nous connaissons pile de monde qui suivent dans YouTube, pas vrai, dans Facebook, etc. Mais est-ce que nous sommes capables de faire songer dans qui verset? Parce que faut nous suivre, pas vrai? Très bien. Il est arrivé dans le verset 19. Très bien. Autre question. Qui sujet Pasteur Jude t'est entamé avec nous? Qui sujet, pasteur Jude, t'es gagné ou bien t'es prend? C'est la continuité des persécutions dans l'église de Jérusalem. C'est ça.
La persécution, encore la continuité des persécutions sur l'église de Jérusalem. C'est même bagaille, très bien. Donc, et moi-même, ce qui suis monté pour avec nous, c'était la mort et la prison. Très bien, la mort et la prison. Autre question. Est-ce qu'on est capable de me songer qui l'autre nom roi Hérode te gagné? Qui l'autre nom roi Hérode te gagné? Attendez-nous. OK, Agrippa premier ou bien Agrippa 1, c'est bien, c'est la bonne réponse. Très bien. Et qui laisse l'été fait tuer par épée? Est-ce que vous avez fait me songer non serviteur ça? M'a dit nous bien, c'était un apôtre, c'était apôtre Jacques. Très bien. Très bien. On va aller dans verset 2 à nous va voir et ça m'a dit nous là. Qui laisse Livine fait mettre dans prison après la mort ou bien après elle te fin fait tuer Jacques? C'était qui est encore? Simon Pierre. C'est ça, c'était Pierre. Verset 3. Dans qui jour il te fait arrêter Pierre? Qui est? Verset 3, c'était jour des pains sans levain. OK, d'accord, nous répondons. Mais jour des pains sans levain, comment nous relions encore? C'était là, la Pâque. Bon travail. Verset 4 là. Combien de soldats en tout qui t'a surveillé Pierre? Combien de soldats? 16 total, c'est ça, hein? 16 total. Qui action l'église te prend en faveur de Pierre? Très facile, pas vrai? Qui action l'église te prend en faveur de Pierre? Yo te prié pour li te capable joindre libération. Très bien, merci. Autre question, verset 5. Nan mitan combien soldats Pierre était couché? Nan mitan combien soldats apôtre Pierre était couché? Apôtre Pierre était couché nan mitan combien soldats? 2 soldats, c'est ça. Verset 6. Est-ce que Pierre te joint délivrance li? Oui, Pierre te joint délivrance. Verset 7. Qui laisse qui te vient délivrer Pierre? Yon ange. Verset 7 encore. Comment ange l'ont te paraît? Est-ce que vous êtes capable de faire songer comment ange l'ont te paraît? Oui. Te gagné yon lumière qui te éclairé dans l'horizon. C'est très bien ça. Autre question, qui ça qui t'est arrivé avec chaîne qui t'est mari Pierre? Chaîne yoté t'est tombé, c'est ça. Verset 8. Qui ça Angelan t'est dit Pierre? Ça Angelan t'est dit Pierre. Mettez ceinturon avec qui ça avec sandalou. C'est ça. Très bien. Autre question. Est-ce que Pierre te comprend ça que tu as fait là? Est-ce que Pierre te comprend? Non, Pierre pas te comprendre. Non qui ça Pierre te pensé que il était ya. Pierre te pensé sur garder verset 9 là pour réponse là tout. Pierre te croit, il était dans yon vision. Verset 11, nous parler vite. Qui laisse Pierre dit qui t'est délivré? Qui laisse Pierre dit qui t'est délivré? OK, c'est le Seigneur par son ange. Très bien. Verset 12, nous parler vite parce que nous va être temps. Après délivrance là, qui côté il est allé après délivrance là? Il est allé qu'à qui est
Kaye maman, pas vrai? Kaye Marie, qui était maman, Jean-Marc. Très bien, nous dit Jean, mais il est Marc, Jean-Marc. Très bien. Verset 12. Qui activité qui te gagne là? Qui activité qui te gagne là? Je tape prié. Verset 13. Les pieds te viennent frapper, et Portland. Qui laisse qui te viennent dans Portland? Et est-ce que nous capable de dire qui laisse pour te viennent dans Portland? Oui, c'était un servant. Bon, ok, d'accord. Mais comment servant enterré? Servant enterré, Wood. Très bien. Est-ce que vous te croyez Wood que Pierre était dans Portland? Non. Qui question vous te dit? Qui ça vous te dit Wood? Vous te dit c'est l'ange gardien, mais ce n'est pas Pierre. Ok, très bien. Ok. Verset 17. Est-ce que Pierre était relé dans zone là? Est-ce qu'il était resté dans zone là après que il était fin bon Dieu était fin délivré? Non, il était arrêté yon l'autre côté. N'a pas campé là et n'a pas continué, pas vrai? Et à partir du verset 18, on nous ouvre la Bible nous avec moi dans Actes chapitre 12 le verset 18. Et jusqu'à verset 23. Ensuite, jusqu'à la fin. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix. Parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi, si vous voulez, du roi. À un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait donné gloire à Dieu et il expira, rongé des vers. Dame, vous souligner verset ça pour moi, s'il vous plaît. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, si vous voulez, Saül, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Que bon Dieu capable de bénir portion d'écriture ça pour l'édification commune de nos âmes. Moi t'ai fait question et 30 même moi t'ai arrivé dans le verset 18 pas vrai et ça crée nous pas continuer parce que nous pas bon un petit peu et de verset 18 là parce que il vraiment vraiment t'ai attiré attention moi c'est ça que n'a pas obligé n'a prend verset 18 là encore comme sujet n'a gagné pour assoya n'a souhaité pour nous écrire s'il vous plaît monde qui prend note orgueil et chute des Rhodes comme sujet a dit orgueil et chute des Rhodes. Avant tout, madame, dis-nous qui ça
orgueillé. Qui ça qui orgueille? Orgueil, c'est moun qui gagne une estime qui exagéré. Pas vrai? Moun kap moun gen folie grandeur et pas comme ça. Moun kap monte tête yo, pas vrai? Orgueil, nous capable dire c'est moun qui croit dans tête yo. C'est-à-dire en d'autres termes, moun ça nous capable dire gen présomption. Présomption, c'est-à-dire que moun nan li pa gen fondement, li sans fondement. Yon moun nou kapab di ki kwè li pi bon pase tout moun. Yon pa kontande sa, gen de moun ki di mon chè mwen m fò. Gen moun bap tande parce que moun sa ki sa l konnen pase m. Hein? Ça c'est orgueil. Ça c'est orgueil. Moun sa, d'après lui-même, depuis où est-il, c'est où est-il chapeau, parce que c'est un monde qui croit, il connaît, parce que tout le monde. Qui te dit, nos chers frères et sœurs, nous même captant de moi là, ou même qui dans Zoom, qui te dit? Orgueil, c'est ennemi toute vraie grandeur. Nous t'en dit, orgueil, oui. Ou moun kap monte tête li a li c'est ennemi la grandeur parce que moun ki kwè li grand c'est alors li piti et moun ki kwè li piti c'est alors bon Dieu fait le grand. Orgueil c'est ennemi toute vraie grandeur. Est-ce que moun kapab di m ki côté orgueil sorti? Nous t'avons mis connais, nous connais une grande pile dans nos connais, même en nous l'ouvrir Bible nous avec moi dans le livre d'Ésaïe chapitre 14 le verset 12 jusqu'au verset 14. Ésaïe 14 verset 12 jusqu'au verset 14. Est-ce que nous jeûnons? Dame, pour nous suivre ensemble avec nous. Verset 12. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je m'assirai, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Waouh! Chers frères et sœurs, nous connaissons le premier péché qui existait, c'est l'orgueil. Oh, oui, premier péché qui jamais existait, c'est l'orgueil. Qui est-ce qui a gagné? C'était, qui est-ce? Très bien, Lucifer. Qui ça, Lucifer, signifie? Ange de lumière. Yon ange de lumière qui vient changer en ange de ténèbres. Pour qui ça? Parce que, d'après verset, nous sommes liés, il était besoin de monter trône sous tête pas trône, bon Dieu. Ya. Et bien, ça le dit, verset 13 là. Avant tout, nous allons les astres brillants. Oh, ça m'a été donné au monde. Astres brillants. Mais qu'on y a, il n'y a pas qu'à briller encore. C'est ténèbres. L'hypothèse fait noir. Il a besoin de prendre place, bon Dieu. Hein?
dans vle livre prendre place bon Dieu hein il de même gens te besoin bay bon Dieu ça nous relé en créole bien français un coup d'état mais bon Dieu son créature que lui pas vrai qui a si créé Lucifer dit t'as bien ça moi dit oui moi dit qui est il crée Lucifer nous pas dit qui est qui crée Satan mais nous dit qui est qui crée Lucifer Dieu a créé Lucifer parce que bon Dieu pas créé rien qui pas bon c'est orgueil lui qui mettait le côté lié à lui mettait avec un corps d'ange pas vrai il montait tête yo pour être bah bon Dieu un coup d'état mais bon Dieu c'est le créateur bon Dieu connaît ce qui a passé dans que tout le monde bon Dieu connaît ce qui a passé dans cœur moi il connaît ce qui a passé dans cœur bon Dieu connaît ce qui a passé dans cœur bon Dieu connaît ce qui a passé dans cœur il connaît c'est pas tripotaille à pour bon Dieu non bon Dieu connaît toute bagaille bah nous qui dit ça oui bon Dieu connaît toute bagaille. Chers frères et sœurs, depuis où monde orgueil déjà avec monde ça petit Satan orgueil parce que Satan t'es besoin prendre place bon Dieu hein tu prendre place bon Dieu mais pour mettre trône sur dépasser tête bon Dieu donc il y a trône c'est vrai oui mais ça en bas bon Dieu puis il peut descendre avec tout ange déchu tout ange qui était d'accord avec Lucifer qui vient Satan pas vrai donc bon Dieu pimpeyo descend ce tasse brillant devient ténèbres dans Proverbe 16 le verset 18 nous connaissons ça lui dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ah! L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est l'orgueil qui fait Satan chuter, tomber du ciel à cause de orgueil. Dans Proverbe 29 verset 23, nous connaissons Proverbe écrit par Salomon, petit David, qui était fait avec qui est-ce encore? Bathsheba. Très bien. Donc Salomon nous songe il était bon Dieu te mandé qui ça pour m'baou? David et Salomon te dit bon Dieu bam sagesse. Mais ça lui dit dans Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Wow. Au lieu pour l'orgueil monter, lui baisser. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Quel proverbe. Et nous songez ça, bon Dieu dit dans le psaume 138, verset 6. L'Éternel est élevé, il voit tous les humbles. Par exemple, nous tous qui là, qui humble, bon Dieu, ou même, qui nan zoom nan, qui nan téléphone, qui nan tablette ou, de pou humble, bon Dieu wè ou. Tande bien. Bon Dieu pa approche bon kote moun ki pa humble. Tande bien. Il reconnaît de loin les orgueilleux. Amen. Bon Dieu, c'est de loin, oui, li gade moun sa ou. Mais de près, il voit tout le monde qui humble. Chers frères et sœurs, ça veut dire à soi, moi-même avec vous. Si nous avons un petit orgueil, on nous baisse, nous. On nous cherche humilité. À soi,
Chers frères et sœurs, moi j'ai un remède pour nous. Les orgueilleux, j'ai un remède pour nous. Ou même qui pensez, ou qu'on est passé tout le monde, ou pensez au fort passer tout le monde, ou même qui pensez au pas camarade, personne. J'ai un remède pour vous. Jacques 4, verset 13 à 16. Jacques, ça, nous connaissons dans l'étude, nous, pas vrai, frères et sœurs? Parce que Jacques qui était mourant, que Éhoud t'a fait tuer, c'était Jacques, frère de Jean, très bien. C'est pas Jacques ça qui était mourant. Jacques, ça n'a pas, n'a pas cherché qu'on y a là, c'est le demi-frère de Jésus. Pourquoi ça nous dit demi-frère? Nous dit demi-frère, c'est parce que yo pas de même papa. Ah, ah vrai? Yo gen même maman, mais yo pas de même papa. Après Hébreu, n'a brun Jacques. Ah vrai? Nous dit Jacques 4 verset 13 à verset 16. Ça me dit m'a ban encore c'est remède pour qui maladie, orgueil. Gain remède pour toute maladie. Mais fois ça, ça sont maladies spirituelles, m'a boyon remède spirituel contre l'orgueil. Jacques, comme nous jeûnez, pas vrai, chapitre 4, le verset 13 à 16. Mais ça, il dit, à vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. C'est une cap baïk tête yo. Nous y passons une année. Nous trafiquerons, ça fait business. Nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Moun kap fè plan pour demain. Orgueilleux kap fè plan pour demain. Mais réponse là, ou pas connaît ça kap rive ou demain. Qu'est-ce? Attendez. Nous avons parlé de là dans quelques minutes, côté frère B, bien côté serviteur B, l'aller, il n'y a pas encore. Donc, nous pas dit pour ne pas faire économie, pour gaspiller, ce n'est pas ça que nous disons, non. Mais nous disons, nous parlons à orgueil. Vous avez dit, moi-même, nous songeons, tu as gagné une norme. Et dans le livre de Matthieu, pas vrai? Monsieur, quand dit, nèg fin planté, récolté, ça connaît nèg pas prendre plaisir. Et go content. Nous songer ça bon Dieu te dit, je dis à même, pas bon ça pas pour moi. Qui t'aime Dieu. Tout chèl ben a fait là. Souffle nous seulement. Depuis bon Dieu dit bon souffle là, tout est fini. Car qu'est-ce que votre vie? Mon question. Qui ça la vie mieux? Qui ça la vouye sans Christ? Hein? Chers frères et sœurs, ou même qui dans Zoom, qu'est-ce que votre vie? Hein? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Nous par contre, nous même qui compte coup, qui fait manger. L'eau est vapeur à monter. Chut, dit monter. Vous êtes tout comme ça, l'autre tout non pas well. La vie nous c'est juste une vapeur qui pas nous pas voir rien. C'est comme d'adoucir un zèbre sèche, son zèbre un moment il sèche, nous pas voir rien. Pas qu'à faire avec elle et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et qui ensuite, pas vrai? Et nous ferons ceci ou cela. Est-ce que nous connaissons les bonnes manières? Bah ça on parle encore. C'est peut-être ça moins lit ça tout parce que c'est ça très bien. Longtemps ou capable l'air nous au monde leur dire mon cher à demain si Dieu veut. Et par contre ça nous dit je dis ah n'après demain. Les bonnes manières ont perdu. Côté bonnes manières ça yo. Parce que peut-être marron n'est pas ceci en anglais. Pas songer si vous dit l'autre jour. See you tomorrow. C'est comme ça vous dit le fini. Mais, nous avons aimé pour nous retourner encore
dans les bonnes manières. À demain, si Dieu veut. Si mon Dieu voulait, si mon Dieu pas voulait, moi, ma voix, nous pas qu'à demain, non? Amen. Et pas vrai? Et pas qu'on s'allie? Nous, c'est qu'on s'allie. Donc, demain, pas pour nous. Pas pour une propose faire qu'on plan ou ban ou faire sauver. Non. Pas qu'on s'allie comme ça. C'est la Bible. Verset 15. Encore, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, si bon Dieu voulait, nous retournons avec ça encore. Et nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. C'est pas vrai? Toujours dire si Dieu veut. Parce que c'est comme ça, nous avons fait longtemps. Ou pas, oui, comment le monde n'a pas allé jeudi. Hein? Ça, c'est manque de respect pour bon Dieu. Manque de respect. Donc, 1 Corinthiens 10, verset 12, dit nous que celui, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ou même qu'il prend pause, pas vrai, strong ou, bah, ça fait chèlbe ou là, bah, ça ou bien camper, il me dit ou, nous avons bien campé. Serviteur hein, ou servante, nous avons bien campé. Mais devant un bon Dieu, il sous béquille. Pas même un bon béquille. Donc, prends précaution, chers frères et sœurs. Pas oublier, m'a dit nous ça. Humilité, c'est pas lâcheté. Ça m'a dit? Humilité, pas lâcheté. Au contraire, c'est plutôt monde qui gagne sens réalité dans eux-mêmes. Nous devons gagner sens ça dans tout ça n'a pas fait, nous devons humilier nous. Pas montrer ou puis bon passer personne. Pas gagne monde qui puis bon passer personne. C'est grâce mon Dieu qui sous vous, c'est ça qu'on fait Shelbert. Dans tout ça n'a pas fait, dans tout ça n'a pas dit, nous devons mettre mon Dieu en premier. Parce que ça me dit nous tout à l'heure, soufflant, ce n'est pas pour nous lier. C'est pour bon Dieu que lier. Amen. Nous comprenons ça, moi dit nous. Pas vrai? Oui. Au moment, bon Dieu prend faire lui, bon, pas rien encore. Toute chèl est finie. Donc, chers frères et sœurs, dans Romains 8, verset 13, il dit nous, si nous vivons selon la chair, nous c'est monde qui mourit. Monde qui a monté tête yo, c'est monde qui a vivre selon la chair qui pas vivre selon l'esprit. Tandis que monde qui a vivre selon l'esprit, c'est monde bon Dieu servir avec eux. Nous pas doué orgueilleux. Non, Proverbe 8 verset 13. Il dit tandis que nous vivons selon l'esprit parce que bon Dieu raille monde qui orgueilleux. On nous mettait tête nous ensemble moi même avec pour nous vivre selon l'esprit. Proverbe de Salomon. Bon Dieu raille les orgueilleux. Pas rester orgueilleux. Descends-nous, humilier devant bon Dieu. Dans tout ce qu'on fait remettre-le à bon Dieu. Pas jamais montrer qu'on ou plus bon ou plus intelligent parce que tout le monde. Qu'est-ce qui est intelligence là? Bon Dieu. Pas vrai? Nous pas besoin de montrer tête ou pour ça. À ça nous voulons faire un petit bac avec vous pour nous capables entrer dans ça que les orgueil là. À continuer avec orgueil. Acte 12 verset 18 à 25 nous sautons libre. Qu'on y a nous parle prend et verset 6 là. Acte 12 verset 6. Mais ça lui dit. Il dit que la nuit qui précéda le jour où Hérode alla le faire comparaître, Pierre lié de deux chaînes dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte. Il gardait la prison. Nous, ouais, depuis le verset 6, ça,
nous voyons que bon Dieu créé deux bagailles. Il crée le jour, ensuite il crée la nuit. C'est pas ça qu'il dit nous. Premier bagaille nous voyons dans verset 6 là, il parlait de la nuit qui précéda le jour. Si gagne une nuit, ça cap gagner un jour. Bon Dieu créé nuit là pour faire qui ça? Pour nous dormir. Les nous fin travail, nous fatigué, n'a dormi. Et puis jour c'est pour nous faire toute activité nous. Et par contre ça bon Dieu créé? Eh ben oui. Nous voyons que à cause de développement dans pays étranger, dans tout pays actuellement, où tout le monde travaille toute l'heure. Mais bon Dieu pas créé dans la nuit là pour mon travail. On a cause péché, n'importe bagarre qui arrive. Mais bon Dieu pas créé nous pour travail. Bon Dieu pas créé dans la nuit pour travail. Nous, apôtre Pierre, pas vrai, il était lié, il était enchaîné, il était marré. Entre en mi-temps, combien de soldats étaient? Pierre était en mi-temps, il y a un soldat à gauche et un soldat à droite. Et il y a devant vestibule, devant barrière, tout le monde s'est dit, il y a deux autres qui t'ont surveillé, pas vrai? Donc, c'est comme ça, Bagaylan, nous, Pierre, dans la prison. Qui ça nous voit ensuite? Nous voit que tu es venu gagner qui ça? Une délivrance miraculeuse. Ça veut dire une délivrance miraculeuse. Une délivrance qui fait sans c'est pas et par exemple nous en Haïti, n'a pas d'Haïti parce que ici pas jour ça. Ici tu as la c'est vrai, mais faut gagner l'argent, faut gagner pile, faut gagner avocat, etc. Mais Haïti, faut gagner parrain. De pour gagner parrain, ou pas dormir en prison. Un simple coup de fil. Alors, on est à ces pays, nous disons ça comme ça, c'est ça livré. Mais, son pays qui pas gagne justice. Pas vrai? C'est son seul coup de fil qui l'a gagné au monde. Côté voleur, côté criminel. C'est petit, oh, c'est petit intel, oui. Et puis, mon enfant fait crime, et puis, dans des mains où elle est libre. Donc nous d'après nous connaît un pays qui pas une justice, eh ben pays ça l'a fini mal. Donc à savoir nous voyons comment un pays pas une justice. Donc nous capable dire que regardez ceci. Nous parler de délivrance miraculeuse sans l'approbation de personne, sans parrain, sans frère, sans cousin, sans cousine. Sans un coup de fil, nous, Pierre, malgré il connaît que son prisonnier politiquement, spirituel, que lié, nous, comment il marie, monsieur, parce que c'est un prisonnier très, très important. Parce que, faut Ewod tuer Pierre, parce qu'il définit tuer Jacques. Pour faire que je suis content, pas vrai? Donc, nous voyons que bon Dieu, dans l'amour, ça l'a fait. Il voyait un ange. Et la Bible fait nous connaître que dans chapitre 12 là, tu as une lumière splendide qui éclaire sous prison. Bon, je ne comprends pas. Ou même avec moi. On lumière dans prison éclairée et soldat yo t'ap dormi. Pierre t'ap dormi. Mais ça t'a bizarre. Pour chaîne tombe dans main Pierre. Barrière ouvri sans bruit. Tout moun ap dormi. Pierre t'ap dormi tout. Nous, bon Dieu, te banèg yo, ki bagay. Yon anesthésie. Parce que, la pièce d'absence, at least ta gonti boui, nèg yo t'attendé. Nèg yo,
assurément qu'on a négocié avec Pierre, on a dormi, mais yo, chaque ménégo a dormi, et puis a dormi tout, on Pierre même à l'aise a dormi, sans problème, Pierre va faire bruit, parce que le négo a dormi tout. Et puis, soudainement, il y a un ange teke bon côté Pierre, il dit, bon, il dit, Pierre, mettez ceinture, mettez sandales dans pied. À Pierre, mais même, il connaît, c'est une vision à faire, parce que, hein, côté ange l'a passé, pas oublier chrétien. Il y a un ange, nous songez, les Jésus est ressuscité, il était levé avec un corps glorieux. Attendez, les nous mourir. N'a pas le bon l'autre corps, oui. Quoi ça? Son corps péché lié, son enveloppe. Ou enveloppe. Quoi ça vient pour l'aller? Il pas prêté. Même les Jésus t'a venu, quoi ça a tombé? OK? N'a pas gagné l'autre corps glorieux. Nous pas besoin peur. C'est ça que fait. Il faut nous mourir quand même. Ange lance sous Pierre et il mène Pierre aller dehors. Après ça, il a gué Pierre. C'est là Pierre garde le dehors. Aller l'ange dit, oh, c'est tout bon. A pas me libérer. Garde. Pierre libre. Tant de chrétiens, pas qu'un autre monde qui a la liberté que Jésus seul. Même là, nous capable dire que c'était une liberté temporaire que Pierre a gagné. Bon, même si Pierre n'a pas mouru, il n'a pas là encore. Parce que, quoi ça, à cause de péché, nous ne pouvons pas vivre éternellement sur la terre. Pas de ça. Pas de ça. OK? Actuellement, nous avons plusieurs personnes qui passent par là, mort que nous connaissons. Donc, la sœur et la mère de sœur Jacqueline. Actuellement, mon tonton à New York, qui est dans la morgue, le frère Baudouin Vernet, petit frère papa. Donc, chrétien, c'est dire que nous ne pouvons pas rester à vie sous terre. Nous tous prêts à aller. Parce que, moi, je dis tout à l'heure, nous sommes seulement un petit souffle. Quand souffle à camper, bang, gang. C'est ça que fait, nous pas qu'à faire Shelby. Jean Wewa et Wood a fait Shelby ça. Nous prêts à aller tout à l'heure. En nous rester ensemble avec. Donc, nous voyons que Pierre était libéré. Par qui? Par Christ, ok? Par ange. Bon Dieu, vous voyez, ange pour libérer Christ. Pardon, pour libérer Pierre. Pas vrai? Donc, c'est ça, nous voyons. En verset 18-19, là, pas oublié. Jésus lui-même tout, il était ressuscité le premier jour de la semaine, le dimanche de Pâques. Eh bien, Pierre lui-même tout, il était libéré de la même manière. Les m'appelait, il me dit, waouh, ça c'est quelque chose de bon. Pas vrai? Parce que Pierre était arrêté juste à eux, et le lendemain, il était pas exécuté. Mais, bon Dieu, il était libéré. Le même Jean, vous prenez Jésus, vous fait 3 jours dans ton bois, et bien, il était libéré. Donc, c'est comme ça, il a été. Orgueil et Wood, pas fait comprendre comment bagaille est été. Pas vrai? Ça, c'est orgueil. Parce que pour vous, et Wood, pas vrai? Lendemain matin, les messieurs levés, yo ouais tout bagay normal, yo pa ouais Pierre disparaît sou yo, bagay fermé, bagay Jean bagay a te fermé comme ça alté, Jean au couche a comme ça rejoint yo, Pierre disparaît. Dans demain, Léo saisit, oh, Pierre disparaît. Et Wood a cherché Pierre pour lui exécuter, mais est-ce que Wood est jeune Pierre? Non. Et Wood pas jeune Pierre. Parce que bon Dieu t'es libéré, pas vrai? Bon Dieu, t'es libéré. Ensuite, qui ça nous voit que Hérode a cherché Pierre. Et puisque nous connaissons comment bagayoteye sur le règne d'Hérode,
c'est la loi justinienne. Pas vrai? La loi justinienne, depuis un prisonnier sauvé, le monde qui t'a suivi là, c'est lui-même qui a subi ça. Et ouais, c'est vrai, il t'a fait tuer Pierre. Mais, il n'a pas de monsieur chance tout. Parce que, il était obligé de faire éliminer les soldats, parce que c'était quatre qui t'a suivi Pierre, chercher Pierre, pas qu'à venir, et bien bon, monsieur a payé prière pour Pierre. Quatre nèg mouri, et bon Dieu délivré Pierre. Donc, c'était la code justinienne qui fait monsieur t'est obligé périr. Et Wod fait passer par épée. Tout le monde est mort. Acte 12, le verset 20 jusqu'au verset 23. Nous parlons comment Wod passe. C'est ça qu'on a parlé à soi, chers frères et sœurs. Nous t'ai bien dit que ne sois pas un orgueilleux. Nous pas d'être orgueilleux. Nous pas d'être orgueil. Parce que bon Dieu pas joué avec les orgueilleux. Et me dit nous qui ça orgueilleux. Nous continuer. Nous ouais dans verset 20 comment qu'on les Hérode vient augmenter il barrage une pierre. Et si monsieur Hérode est intelligent, il t'a pris son délivrance miraculeuse. Parce que barrière fermée, porte fermée, vous ne comprenez pas combien de barrières qui t'ont gagné, combien de clés qui t'ont gagné dans la porte là. Pas grand rien qui changeait. Pas grand rien crasé. Tout bagaille était fait normal. Et là, nous voyons que, dans le même temps, ça. La Bible fait nous connaître que, dans verset 20, Hérode vient prendre des dispositions hostiles, ou Hérode vient mauvais à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Monsieur vient fâché contre le pays. Et pourtant, des Tyriens, tu me dis nous bien, je dis à nous pas besoin d'un pays que les Tyriens et Sidon. Parce que, deux, contre ça yo nous capable di ou si ou ap joine yo au Beyrouth en Liban dans capitale là dans Liban parce que nous connaît pays ça qui dans Asie mineure pas vrai c'est là Beyrouth placé donc nous voyons que dans Marc 3 verset 3 à 8 nous capable nous songer Jésus t'est parlé de Tyr et de Sidon. Hérode vient fâché contre eux. Pour qui ça? Parce que c'est la caille. Nous connaissons, ils ont été en pile montagne, ils n'ont pas qu'à faire manger. Pas vrai? Ils ont été en montagne, la caille. Dans la zone ça, dans la zone Liban, Beyrouth, etc. Donc, c'est même gens nous-mêmes qui, côté nous manger, qui va nous manger plus, c'est Santo Domingo, next door nous. Eh bien, c'est même gens. Et Tyr et Sidon, c'était presque voisin Jérusalem côté Wathé. Et puis dans l'autre côté, on est la Judée, etc. Nous connaissons M. Tépran, quatre zones, les M. Tévini. Nous sommes M. Tévini, ça pas vrai, chrétien? Très bien, très très bien. Donc, nous sommes capables de dire où Sidon, pas vrai, et nous capable dire yo relé li pêcherie parce que c'est côté que t'es en pile poisson yo t'es pêché yo pêché là en pile t'es grand pile poisson là c'est peut-être ça relé le pêcherie et pas à côté moun pêché en pile non parce que oui t'es gain pêché m'a pas dit montrer nous ça en nous li Marc 3 verset 3 à 8 n'a point comment Jésus t'es qu'on fait zone ça en pile et de Tyr il parlait de yo en pile tout Tyr et Sidon. Parce que tu as un pile juif là, oui. Tu as un pile juif là
te gen en pile prosélyte nous songe et avec tout te gen païen là tout Marc 3 le verset 3 à 8 on nous garder ça ensemble avec moi Marc 3 verset 3 à 8 mais ça lui dit nous va prêter trop là dans YouTube il dit Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche Il est verset et Jésus dit lève-toi là au milieu puis il leur dit est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal et de faire du mal et de sauver une personne ou de le tuer mais ils gardèrent le silence alors il promena ses regards sur eux pas vrai avec indignation en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur il dit à l'homme est entamé le guérit il se consultait avec les hérodiens sur le faire mourir Jésus se retira vers la mer, verset 7, avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée à Jérusalem, au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. C'est là que nous devons arriver vers eux. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, il vint à lui. Nous, Jésus était toujours à passer là vers Tyr et de Sidon. On a fait miracle dans ce nom. Et dans l'autre côté dans Matthieu 11 verset 21 nous voyons que Jésus et qui est très intéressant tout pour voir comment Jésus a parlé de Tyr et de Sidon Matthieu 11 le verset 10 Matthieu 11 verset 20 et 21 il dit comme ça que alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elle ne s'était pas repenti. Nous connaissons Jésus, qu'on fait un pile miracle, mais un pile monde pas prend ça pour rien, il pas repenti. Et il dit que et il parle avec les Corazins, il dit si miracle ça yo, t'es qu'on fait dans Tyr et de Sidon, monde ça t'a repenti. Donc chers frères et sœurs, nous voyons que Jésus t'a parlé de bien de Tyr et de Sidon. Comment est Hérode tombé? Monsieur, te gagnon puisque liwel gen orgueil, pas vrai? Liwel pas ka tuer Pierre, kounyan moun sa yo vini bon côté les Tyriens et les Sidoniens. Y a le bon côté yo bien avec Blas qui était secrétaire li. Voilà ce qui est arrivé pendant que monsieur était secrétaire li, moun ti avec Sidon te vienne parler monsieur une fond dit la veli c'est tout côté qui gagne un problème même Jacques Haïti nous et moun yo toujours au ban gagne en pile désordre Haïti moun cap voler etc. Donc nous voyons que Blassa c'était serviteur mais qui t'a fait l'argent sous côté tout à la manière des haïtiens et puis monsieur a parlé avec Ewad pour dire comme ça que mon cher moun yo tire et Sidon vle vin parler avant et puis Ewad puisque c'est secrétaire il parle prend tête il vin parler avec lui kounyan Ewad là nous continuer dans verset 22 il dit des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours dans acte 12 là le verset 21 Ewad vin fixer un jour avec yo pas vrai et puis qui ça Ewad fait Ewad vin habiller pas vrai, bien habillé depuis en haut en bas avec des robes d'argent, etc. Les monsieur prend rendez-vous avec Tyr et Sidon, ou prend Kounyan, Ewad, et à fond discours. Et qui ça, peuple a dit, au lieu pour apparaître le bon Dieu, il a dit, mais un bon Dieu qui a parlé, c'est pas D avec des majuscules. Mais c'est D avec D minuscule. Yo prend Ewad pour un Dieu. Ewad, étant que non orgueilleux, il pas dit non, c'est pas moi que mon Dieu a. Ewad prend gloire. Chrétien, en nous pas prendre ça qui pas pour nous. Pas prendre gloire bon Dieu ou même qui ont orgueilleux. Puis quoi prendre gloire bon Dieu. Qui ça ouais, verset 22, le peuple s'écria voix de Dieu. Nous songer m'pap ka ba nou toute histoire moun qui était orgueilleux nous songer roi Nebuchadnezzar pas vrai il était orgueilleux bon Dieu fait monsieur et tourner qui ça encore yon bourrique on prend fait 3 ans à manger zèb bon Dieu pas joué qui ça qui t'est arrivé cet orgueilleux à savoir Ewad on nous garder au même instant
un ange du Seigneur le frappa. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Chrétien, en nous apprendre, by mon Dieu, gloire. En nous suspendre, orgueil nous. Qui s'est passé, Hérode? Il expira, il mourit. Comme on a dit, tête noire, rongé de verre. Verre tombé sous lit. Parce que, il prend gloire à bon Dieu. Chers frères et sœurs, discipline tête. Il n'y a pas de discipline tête. Malgré toutes sortes de gars qu'il a fait, bon Dieu n'a pas dit rien. Bon Dieu qui t'a fait salver. Mais, pas prend gloire à bon Dieu. Et Ward tombé à cause de son orgueil. Pas oublié. Moi, je te dis où? Orgueil. Pas vrai? C'est. Orgueil, c'est oui nous. Orgueil, c'est arrogance. Pas vrai? Jacques dit demande nous pour nous capables humilier nous devant bon Dieu. Au lieu pour nous accueillir. Chers frères et sœurs, assurez-vous de orgueil. Et la chute des words. En nous, qu'un bépied bon Dieu fort. En nous, by bon Dieu gloire. Pas prend droit bon Dieu. Pas prend gloire bon Dieu. Sinon, la mal pour. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu garde. Pour capable humilier devant bon Dieu. Parce que lui dit comme ça, moun qui monte, la descend nous. Et moun qui descend la monte. Que bon Dieu bénisse. Prions Dieu. Notre Seigneur, ta parole est toujours une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous remercions le Seigneur infiniment parce qu'on apprend nous que nous ne devons pas être des orgueilleux, mais pour nous capables humilier nous devant. Oui, Seigneur, merci pour parole. Que parole capable, Seigneur, rester dans le cœur nous afin de ne pas pécher contre toi. Merci pour chacun de nous qui t'attend des paroles, Seigneur. Parole, c'est lumière. Parole, c'est la vie. Ô Seigneur, parole, c'est nourriture. Merci, Seigneur, pour toutes choses qui sont faites pour nous. Accompagnez-nous. Pas de nous séparer. Spécialement, frère Muller, qui était toujours là. Cap, Seigneur, voyez-nous sous Zoom. Seigneur, cap, mettez-nous en onde. Nous vous merci pour lui avec toute famille. Avec nous. Fais grâce. Nous prions, c'est pas parce que nous avons un mérite. Nous prions dans le nom de Jésus, petit tout. Amen. Vendredi, si Dieu veut, nous va entamer. Chapitre 13. Que bon Dieu vous bénisse.